On a fait un bon travail depuis ce matin et depuis hier soir. Je crois qu'on a vraiment, vraiment réglé un problème d'urbanisation dans ces petits hameaux, dans ces petits villages. Pas seulement en Bretagne, parce qu'on règle le problème à l'échelle du pays pour que les gens qui, toute leur vie, ont économisé, ont voulu transmettre à leurs enfants, vont pouvoir le faire. Ça, je crois que c'est vraiment une très bonne chose. On a aussi préserver, et ça c'est fondamental et très important, et la bande des 100 mètres et les espaces proches du rivage. Messieurs les ministres, je peux vous dire que je suis heureux de rentrer en Bretagne ce soir, d'annoncer ça. Ça va être le sujet le plus fort de toute la campagne électorale. Alors je sais qu'en Bretagne, je vais me faire taper dessus hein, de temps en temps, parce que tout le monde espérait qu'à travers cette loi, on puisse à nouveau urbaniser leur terrain, leur parcelle, et ainsi de suite. Non, ce sera bien géré par les SCOT, qu'il faudra terminer avant 2020. Beaucoup ont déjà été faits, on peut continuer à le reviser. Maintenant, messieurs les maires, messieurs les présidents de PCI, au travail pour qu'on puisse à nouveau urbaniser sans prendre de la terre agricole, qui était l'idée même de tout ce qu'on a travaillé depuis ce matin. Merci à tous. Merci.